Je m'appelle Odile Bourg, je suis la présidente du club des Alsaciens de Berlin, où je vis depuis maintenant 16 ans, et je viens de Valf. J'ai refondé le club des Alsaciens de Berlin en 2006. Il avait été fondé en 1999, et puis s'était endormi très rapidement. Alors aujourd'hui, on compte environ 60 membres cotisants. On touche environ 600 personnes, donc 600 personnes originaires d'Alsace ou qui ont des attaches en Alsace, mais aussi des Français, des Allemands, on a des Italiens, des Suisses, enfin on est ouvert à tout le monde. Berlin est une grande ville et l'Alsace est très sexy pour beaucoup de monde. Alors nos activités, ce sont des activités alors à la fois très sportive en plein air et puis plus traditionnelle. Donc pour ce qui est l'aspect sportif plein air, on a fait quelques sorties en canoë kayak. Il y a énormément de lacs autour de Berlin, donc et puis une nature vraiment encore à l'étage sauvage qui est vraiment très agréable. Donc on essaye d'en faire profiter nos membres qui ne sortiraient pas forcément de Berlin si ce n'était pas organisé. Voilà, et puis on a aussi fait quelques randonnées à pied, quelques randonnées à vélo, donc qui avaient toujours un grand succès, donc on est toujours très content de rencontrer de nouvelles personnes et d'accueillir de nouveaux membres. Donc ça c'était pour la partie plutôt sportive. Les activités plutôt culturelles, ce sont par exemple les après-midi Bredele autour du premier dimanche de l'Avent, donc début décembre, fin novembre. Nous organisons aussi un après-midi Bredele, ou non pardon, pas Bredele mais Lemele, où donc on commence au crément et puis on continue avec le lemela cuit, plus ou moins cuit. C'est toujours très sympathique. Et puis sinon, on propose aussi des formats de plus grande envergure qui s'adressent plutôt aux Allemands, puisque notre mission, c'est pas seulement Alors, nos missions pour le Club des Alsaciens de Berlin, nous sommes reconnus d'intérêt public. Depuis maintenant bien 3 ans, donc ça veut dire qu'on bénéficie d'un statut fiscal tout à fait avantageux auprès de l'administration fiscale allemande. Alors nos missions, c'est à la fois l'entraide entre Alsaciens, l'accueil des nouveaux Alsaciens ou Français ou tous les gens qui ont un rapport, une relation à l'Alsace. Ça peut être des gens qui ont fait leurs études à Strasbourg. On a beaucoup de gens qui sont passés par Strasbourg, des Marocains, des Italiens, aussi des Américains. Et donc voilà, qui ont passé des années vraiment déterminantes pour elles à Strasbourg et qui se considèrent donc très très proches de l'Alsace. Donc ils sont toujours très bien accueillis, on est content d'avoir des gens de partout, voilà. Donc ça c'est pour une partie de notre mission. L'autre partie, c'est de faire connaître l'Alsace. Pour moi, c'est particulièrement important de montrer que l'Alsace, c'est une porte ouverte vers le franco-allemand, mais et aussi vers la France, et que la France n'est pas seulement Paris, mais que la France, c'est un pays pluriel, même si c'est pas forcément l'image traditionnelle qu'on en a, et que l'Alsace, c'est une manière de montrer la diversité de la France. Donc à Berlin, on est loin, on est vraiment loin de la France, on le sent aussi culturellement, c'est quelque chose de tout à fait assez exotique. Donc on a beaucoup d'Allemands de l'Ouest, mais aussi de l'Est, qui rêvent de France et qui pour eux, l'Alsace, c'est une porte vers la France et qui sont membres chez nous et qui raffolent de toutes nos manifestations ou après-midi Bredele, Lemela. On a aussi organisé maintenant, il y a bien 2 ans et demi, un grand gala alsacien à l'ambassade de France autour des vins d'Alsace, en coopération avec la confrérie Saint-Étienne, où 110 personnes étaient invitées. Notamment, on avait l'ambassadeur de Namibie, on avait bien sûr l'ambassadrice de France, on avait du beau monde. Et c'était une soirée très chaleureuse, très réussie, et donc il y avait des Alsaciens, mais surtout des Allemands, puisque c'était vraiment une opération de promotion de l'Alsace à l'étranger, de promotion de l'Alsace et des produits de son terroir, donc le vin, la cuisine, et les Allemands et les Alsaciens aussi ont vraiment
extrêmement apprécié cette soirée à l'ambassade de France. Alors, notre mission, c'est pas seulement de promouvoir l'alsacien auprès des Allemands ici à Berlin. Un de nos objectifs, c'est aussi d'intégrer les Alsaciens dans la société berlinoise. Et pour ça, on organise des discussions, débats, des visites d'institutions berlinoises qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Donc, on avait deux manifestations à l'ambassade de France, dont une conférence sur l'histoire de l'Alsace, aussi au Bundestag. On avait aussi fait une conférence sur l'histoire de l'Alsace. On a visité de grandes institutions berlinoises, par exemple la grande usine Borsig. À Berlin, il y a aussi beaucoup de familles françaises qui sont installées, parce que c'est quand même une ville où on vit bien aussi en famille. Et donc, les adultes alsaciens, en général, c'est plutôt la tranche d'âge 30-50 ans, se retrouvent à Berlin et désirent non seulement transmettre à leurs enfants la culture française, mais aussi la culture alsacienne. Et c'est pour ça qu'on propose aussi toutes ces après-midi culturels alsaciens, qui sont tout à fait appréciés non seulement des Alsaciens et de leurs enfants, mais aussi de tous nos autres invités.